j'ai pas eu une histoire, une enfance normale avec un papa présent. Quand il est décédé, on est allé chez le notaire. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait un testament et que je n'étais pas dessus. Ce testament me prouve que notre père ne m'aime pas. J'ai toujours une relation plus fusionnelle avec mon père qu'avec ma mère. Je pense qu'elle ne l'a pas trop accepté, quoi. Donc la veille de son décès, elle va commencer à parler de la maison. Ah, directement? Ouais. L'enterrement, ma mère s'est occupée de rien, en fait. Et elle nous a laissés. Alors on l'a contactée, votre maman. Et elle nous a envoyé une lettre pour vous. À la mort de maman, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. C'est mon frère jumeau. Et je me disputerai jamais avec lui. Et je pensais que c'était après maman qu'il en avait et qu'au décès de maman, avec moi, ça se passerait bien. Mais il n'est jamais revenu. Il vous manque? Ah oui. On est parti dans des chemins tellement différents. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il est heureux. Et si on lui demandait tout de suite à Hubert s'il est heureux? Bonjour à tous et merci d'être présents à notre rendez-vous de 14h. Au moment de la mort d'un proche, c'est un peu l'union sacrée. La famille fait bloc, mais des surprises, bonnes ou mauvaises, apparaissent parfois lors de la découverte du testament et des tensions peuvent survenir au sein des familles. Les incidents entourant une succession révèlent la fragilité des familles au lendemain de la mort. Les conflits d'héritage peuvent faire éclater la plus unie des familles et faire ressurgir surtout des mésententes qui datent de la petite enfance parfois. Nos invités, elles aussi, sont au cœur de tensions familiales suite à la perte d'un parent. Elles nous racontent leur histoire de famille tout de suite dans Ça commence aujourd'hui. Et je les remercie de nous faire confiance. C'est un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui. Bonjour Maryse. Bonjour Faustine. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci infiniment à toutes les trois d'être venues incarner tous ceux qui sont actuellement dans une guerre d'héritage. Ça nous concerne tous. On a tendance à dire en permanence « nous, ça ne nous touchera pas ». Et au moment clé, les personnes se révèlent, se découvrent. Je sais que ce sont des histoires douloureuses, mais avant tout humaines que vous allez nous raconter aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, Natacha Espier d'abord, qui est psychologue, et Marc Gégère. Bonjour Marc. Bonjour, on a évidemment Christine. Beaucoup de questions à vous poser, juridiques, sur nos droits, nos non-droits. Je sais qu'il y a des réponses que vous allez apporter qui vont nous exaspérer, mais elles possible. Sont largement nécessaires. Maryse, dans votre famille, vous avez été confrontée à deux héritages. Pouvez-vous me dire lesquels? Mais mon père et ma mère, en fait, sont décédés. Morts quand? Alors, mon père, je crois que c'est en 2016. Ouais. Et maman, il y a juste un an, en fait. J'ai perdu un frère il y a 27 ans, cette semaine avant mon mariage. Ouais. Mon frère aîné, qui n'avait pas d'enfant. Et donc, il reste que mon frère jumeau et moi. Pour bien qu'on comprenne un petit peu l'arbre de votre famille, c'est qu'on regarde ces quelques images et après, vous nous racontez plus tranquillement, d'accord? D'accord. Maryse et son frère jumeau Hubert voient le jour en 1964. Ils ont un frère aîné, Joël, et forment à eux trois une belle fratrie. Mais la complicité des jumeaux est évidente. Ils se comprennent sans se parler et ne cessent de jouer ensemble. À l'école, Maryse veille sur son frère et partage la même classe que lui jusqu'en CM2. Leur relation fusionnelle ne fait que se renforcer au fil du temps, à tel point que Maryse propose même à Hubert d'être son témoin de mariage. C'est le bon vieux temps. C'est plus ça maintenant. Non. Je sais pas par où commencer. Ben non, mais moi je vais vous poser des questions. Parlez-moi de cette belle relation avec votre frère Hubert. On a vu des photos d'une belle complicité, hein, oui, avec oui, votre oui. frère jumeau. En fait, on était même à trois dans la même classe parce que mon frère et moi, on est début d'année, donc on avait sauté une classe. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Ouais. Donc on était à trois dans la même classe. On était presque des triplés en fait. Hein. Ouais. Et j'étais très maternelle avec mon frère. Quand on était petit, maman raconte toujours que Hubert ne parlait pas et c'est moi qui disais Hubert, il veut ça, Hubert, il veut pas ça. C'est très protectrice. Voilà, hein. Oui, oui. On se comprenait sans se parler et on a eu des chemins de vie assez parallèles. On a vécu une séparation à peu près un an avant que moi je me marie. On a vécu une séparation en même temps et pendant quelques mois, Hubert est venu vivre chez moi.
Vous êtes séparés chacun de votre côté avec vos conjoints respectifs. Ouais. Et alors, parlez-moi de vos parents. Un petit peu, quelle ambiance familiale régnait à la maison? C'était compliqué. J'ai eu un père violent, alcoolique. Nous, on n'avait pas de marque d'affection, on avait des claques. Mais dans les années 60, c'était quelque chose qui était... Enfin, ça semble terrible maintenant, mais c'était quelque chose qui était... C'était plus courant. Oui. Ça a renforcé votre solidarité dans la fratrie, hein? Oui. Vous avez fait bloc, hein? Ah oui. Mes frères, à l'inverse, étaient très protecteurs avec moi aussi. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fini par vous éloigner de votre frère? Expliquez-moi. Pourquoi on en est arrivé là? Ça a commencé au moment de la mort de votre papa? Non, bien avant. En fait, ah bon? Quand à cette fameuse séparation, on a vécu quelques mois ensemble. Ouais. Moi, j'ai rencontré mon mari actuel. Ouais. Et lui est reparti avec la dame avec qui il était. La dame? Oui. Vous l'aimez pas? Elle est décédée il y a 10 ans. Donc, en fait, c'est pas moi, par principe, j'aime les gens. Je pense que c'est plutôt elle qui m'aimait pas. Moi, en fait, j'avais pas à l'aimer. C'est la femme de mon frère, donc c'est tout. Moi, je l'acceptais. Ça a été mon amie, en fait. Elle a été mon amie jusqu'à ce qu'elle rencontre mon frère. Ah, c'était votre amie. Ouais. Elle a rencontré votre frère, ouais. Et au moment où elle s'est mise avec votre frère, là, elle a commencé à semer un peu de trouble. Enfin, je suppose qu'elle voulait mon frère pour elle toute seule. Je sais pas. Peut-être que cette relation que j'ai avec mon frère l'a dérangée. J'en sais rien. Mais alors, du coup, quand elle est décédée, vous auriez dû vous rapprocher avec Hubert. Oui, mais c'est pas. Ça n'a pas été le cas. Non. En fait, vous ne vous dites plus rien depuis la mort de sa première épouse. Hein. Vous ne vous dites plus grand-chose. Oui, mais même avant. Est-ce que vous avez espéré que le deuil de votre maman puisse vous rapprocher? Ah, oui. En tant que... quand on n'a plus ses parents, on est les derniers. Hein, donc, ça rapproche. On se dit, bon, il n'y a plus que toi, il n'y a plus que nous. Maintenant, c'est notre tour. Ouais. Surtout que votre grand frère est mort. Donc, vous êtes vraiment plus que tous les deux avec Hubert. Et ça ne vous a pas rapproché, la mort de votre maman? On espérait, en fait, à la mort de sa femme, maman espérait beaucoup que Hubert allait revenir la voir. Et il n'est jamais revenu, alors qu'ils habitaient dans la même ville. Et donc, au bout de 4 ans, maman, qui avait fait une assurance vie pour nous deux, elle a changé les bénéficiaires d'assurance vie, donc elle m'a laissé. Et la part d'Hubert, elle l'a donnée à ma belle-sœur, donc la femme de mon frère décédé, qui est toujours restée proche de nous et qui s'est occupée de maman jusqu'à son dernier souffle. La dernière nuit qu'on a passée à l'hôpital, ma belle-sœur était avec moi. Alors, clairement, depuis votre mère est décédée il y a un an, qui a eu quoi? Alors, Hubert a eu la maison de maman, moi j'ai eu la maison de mes grands-parents, comme c'était prévu par maman. D'accord. Et puis, là, on attend, avec le confinement, ça n'a pas pu signer, mais on va signer la succession. Mais comme maman avait donné ses biens, alors elle est décédée avec rien, sauf qu'elle l'avait donné avant, alors que à ses enfants. Voilà. Et donc là, c'est posé le problème à nouveau de la valeur des maisons. Et moi, maman ne voulait pas qu'on se dispute, j'ai promis à maman. Et donc, sa maison, elle a été évaluée 40 000 euros de plus que la mienne. Donc, mécaniquement, il m'en devait 20 000. Et je lui ai dit que je lui laissais, ça ne m'intéressait pas de l'aider. Il y a été sensible, ça, Hubert? Il a été touché par ce geste d'affection et de pacifisme? Oui, je pense, parce qu'il avait changé les serrures de la maison de maman quelques jours après son décès. Je n'avais pas eu le temps de dire. Comment ça? Jours après le décès, il a changé les serrures pour que vous n'y alliez pas? Oui, parce que la maison était à lui. Le jour où maman est décédée, ça devenait automatiquement la sienne. Ouais. Donc, le jour de l'enterrement, je lui ai donné les clés. Et donc, 2 jours après, il faisait visiter la maison pour la louer, puisqu'il l'a gardée pour la louer. Et donc, j'avais 3 mois pour la vider. Donc, je lui ai dit, je peux vider la maison, etc. Il m'a dit oui. Et je suis allée avec ma belle-sœur, commence à trier les vêtements, etc. C'était rapide, un peu violent quand même. Hein. Ah ben, oui, humainement, c'est un peu violent. Oui. Mais bon, c'est tout. Moi, j'accepte les choses. Il faut faire avec. Vous lui en avez voulu? Du tout. Ben non. Et en fait, la deuxième fois, on est venu, il avait changé les serrures. Donc là, je n'étais pas contente. Je lui ai envoyé un mail. Et il ne savait pas que j'allais lui laisser ma soulte. Et dans mon mail, je lui ai dit, je suis prête à te donner quelque chose, quelque chose dont tu n'as pas l'idée. Mais si tu cherches la misère, tu vas la trouver et je ne lâcherai rien. Et je lui ai donné rendez-vous à la maison de maman. Et c'est là que je lui ai dit, voilà, je te laisse les 20... Enfin, on ne savait pas qu'on ne savait pas la valeur, mais je ne te laisse demander, la différence. Et il a été sensible, il vous a remercié? Il m'a dit, dans ce cas-là, je veux bien. Et je pensais que c'était après maman qu'il en avait, et qu'au décès de maman, avec moi, ça se passerait bien. Et en fait, j'ai arrêté de lui envoyer des SMS pour notre anniversaire. Et il ne peut pas oublier le mien, puisque c'est le même jour. Il vous manque? Ah oui. Oui,
Mon frère aîné qui est au cimetière depuis 27 ans. Et mon frère jumeau, bah, c'est vrai qu'après le décès de sa femme, et j'espérais qu'il allait revenir vers nous, ça ne s'est pas fait. Après le décès de maman, j'aurais bien voulu qu'on se parle d'autre chose que de problème d'héritage. Même si l'héritage s'est super bien passé. Parce que... Et c'est le plus important. Hein, avoir 20 000 euros sur mon compte, ça ne me rend pas heureuse, mais ne pas être en conflit avec mon frère, ça me rend heureuse. Au moins, je l'ai pas... on n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés, c'est déjà quelque chose. Mais en fait, je réalise que cette histoire d'héritage est finie. C'est-à-dire que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de lui et de votre relation qui vous manque. Vous espérez qu'il regarde cette émission ? Oui. C'est pour ça que vous êtes venue ? Non, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis venue. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Non, mais alors, alors, si on est rationnel, j'ai posté un commentaire sur Facebook, et donc je l'ai cherché. Et en fait, moi, je pense que maman, là où elle est maintenant, elle n'a plus cette carapace. C'était une mère très autoritaire et pas douce du tout. Et je pense que là où elle est maintenant, cette carapace, elle est partie, et c'est maman qui a guidé maman. Il y a deux jours, ma meilleure amie m'a emmenée au restaurant et elle m'a offert du champagne, une coupe de champagne qui portait le nom de maman. Et je crois beaucoup à ces signes. Et donc, quand votre collaboratrice m'a appelée, alors moi, je suis tombée des nues parce que, et j'avais juste écrit, voilà, les problèmes d'héritage, moi, entre mon frère, mon beau-frère, bientôt ma fille, moi, j'ai des dossiers, un truc comme ça, mais vraiment très, très... Et pourquoi Émilie m'a appelée moi ? Voilà. Et je pense que c'est maman. Et vous voudriez lui dire quoi à votre frère, s'il nous regarde ? Je voudrais qu'on puisse se revoir, qu'on puisse parler, qu'on puisse manger ensemble. Je l'ai toujours invité à toutes nos fêtes, mes 50 ans, mes 40 ans, etc. Il ne venait pas. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il est heureux. Et si on lui demandait tout de suite à Hubert s'il est heureux ? Il est là. Vous pensez qu'il aura accepté ? Non. Eh bien, vous vous trompez. Il est là, votre frère. C'est pas possible. Rien n'est impossible. Quand je vous disais que c'était maman qui m'avait guidée. Hubert, il est pudique. Oui. Hubert, il est ému. Tu peux quand même. Et votre première phrase a été... Maryse a dit « c'est pas possible » et vous lui avez répondu « rien n'est impossible ». Exact. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit ? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, même si je sais que vous êtes quelqu'un de discret, de pudique, mais c'est un grand geste d'être là pour elle aujourd'hui. Oui, c'est... C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas l'intention de venir. Parce que j'en voyais presque pas l'utilité. Par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées, non pas comme elle dit, pour l'histoire des. Comment des. Les héritages. Mais le problème vient de bien avant. Longtemps, ouais. Mais elle a bien compris, Maryse, hein, elle nous en a parlé. Et le problème de base, c'est sa mère. Ben, la mienne aussi. Oui. Ah, ben oui. Vous n'étiez pas prévu, vous, à la base, en plus. Hein. Tout à fait. Vous étiez un jumeau inattendu. Vous nous racontez ? Mais je leur ai... J'étais pas attendu, j'étais toujours un peu rejeté. Mais c'est toujours moi qui me suis débrouillé de tout. C'est vrai. Et c'est moi qui leur ai sauvé l'entreprise à l'époque. C'est moi qui ai sauvé les deux maisons de ma mère, parce qu'au moment où ils se sont séparés, ils avaient... une dette colossale. D'ailleurs, j'ai aussi mis de l'argent. Il nous a coûté de l'argent, notre père. Vous êtes toujours senti en trop, un peu l'enfant de trop ?
Non, l'enfant... non, pas l'enfant trop, l'enfant, comment... Rejeté. Rejeté, voilà. En fait, maman, elle... Et elle me l'a fait... Elle le faisait... Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Mm. Parce qu'elle ne faisait rien pour moi. C'est à la base, tant que mon frère était là, ça se passait très bien. Et une fois qu'il a pu être là, ça a changé. Là. Elle était plus proche de votre frère aîné? Ah, ouais, ah oui, de toute façon, elle ne voulait pas être enceinte tout de suite. On a 11 mois d'écart. Hein. Et on n'était pas prévus ni l'un ni l'autre. Et donc, tout était pour Joël. C'était l'aîné, donc il avait les vêtements neufs, il avait tout... Donc Hubert, il avait les vêtements de Joël. Puis moi, comme j'ai deux tantes qui n'ont que 3 ans d'écart avec moi, moi, j'avais les vêtements de notre tante. Elle vous le disait, ça, que vous n'étiez pas désiré? Elle vous l'avait formulé? Bon, non, enfin, elle l'avait formulé d'une certaine manière, tout en étant que j'étais par-dessus le marché, quoi. Oui, elle l'appelait par-dessus le marché. C'est hyper violent, quand même, ça. Oui, bon, ça me touchait pas, outre mesure. Et quand votre frère aîné est mort, elle a eu des mots durs, je crois, qui vous ont beaucoup blessé. Bah ouais, même le jour de son décès, qui était encore sur son lit de défunt, je passais dans la pièce à côté, puis d'un seul coup, elle disait à d'autres qui étaient là en même temps, c'est mon meilleur qui s'en va. Mais bon, c'est... C'est vrai? Ah bah oui. Je me l'ai jamais dit. Il faut l'encaisser quand même. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Vous avez raison, c'est très dur. Très, très dur. Mm. Et ça n'a fait que commencer. Après, ça a toujours été pas... Ça a été crescendo tout le temps. C'est des mots qui marquent. Hein. Des phrases comme ça, oui. On voit que c'est gravé dans la chair profonde d'Hubert. C'est hyper violent. C'est vraiment d'une grande violence. C'est évident que, forcément, vu ce qui s'est passé, ça ne pouvait avoir que des répercussions jusqu'à la fin, au fond, dans votre ce que vous ressentiez. Après, moi, il y a encore eu des petites choses que Maryse n'a pas vues, n'a pas entendues. Ah ben c'était avec mes enfants, par contre. Vous ne la regardez pas, votre sœur? Non, je vous regarde, vous. C'est vous qui m'avez parlé. Et le jour où ça a fait mal, c'est quand ma première a demandé à sa grand-mère de l'apprendre à lire, alors qu'elle allait passer au CP. Et elle lui a dit texto, non, je ne t'apprendrai pas à lire, je ne veux pas me soustraire au nouveau système d'éducation pour apprendre à lire. Alors que, bon, j'estime qu'une fille, une petite gamine... Non. Elle me l'a dit. Oui, oui, non, dit, non, mais... Texto. Moi, étant enseignante, je suis d'accord avec maman que moi-même, je n'ai pas appris à lire à mes enfants, on n'a pas... Oui, c'est la symbolique qu'il y avait derrière, voilà, en fait. Oui. Pardon, mais c'est la symbolique refusée à sa petite fille d'apprendre à lire. Par contre, c'est la symbolique. Elle avait accepté de les prendre le soir pour leur faire les devoirs. Ouais, je crois que... Non. Marc. On a la démonstration de ce qui vous a éloigné. Votre mère. Ce qui vous a éloigné, c'est l'impossibilité pour Hubert d'accepter que vous soyez toujours aussi proche de votre maman, lui en a beaucoup voulu, à juste titre ou pas, peu importe. Mais il y a vraiment ça. Et ce qui est curieux, c'est que au décès de votre maman, vous auriez pu finalement envisager de vous rapprocher, puisque vous pouvez pas lui en vouloir d'être resté au chevet de sa mère. C'est la vôtre. Après, quand on dit que j'étais proche de maman, je me suis toujours occupée de maman parce que c'était mon devoir de fille. J'étais proche de ma belle-mère. Mais maman, c'était... Voilà. Avec le père qu'on a eu, ma mère, c'était des roses à côté. Donc, c'était mon devoir de m'occuper d'elle. Natacha. Alors ça, c'est pas faux. Quand on a des parents qui sont pas très bien traitants, je vais dire un truc qui va pas être forcément facile à dire, mais on se raccroche à celui qui est le moins pire. C'est pas français, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc, vu ce que vous racontez de votre père, évidemment, vous vous êtes un peu raccroché à votre mère. Mais en même temps, j'entends votre souffrance et on voit que cette souffrance, bah, elle vous concerne vous parce qu'elle vous traite pas bien. Et puis, elle se transmet aussi à vos enfants. Ce qui est insupportable. Ce qui est insupportable quand pour ça touche ses dents. Et moi, je dirais juste quelque chose. Vous avez dit, c'est ma mère qui a guidé quand Hubert est arrivé. Non, c'est Hubert qui a décidé de venir aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est très important de le reconnaître. Oui, raison, Natacha. C'est pas... Après, vous pouvez effectivement penser que c'est la main de votre maman. Oui. Mais c'est Hubert qui, aujourd'hui, il fait quelque chose de fort, il décide de venir, il décide de vous rencontrer et de dire quelque chose. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas lui retirer ça, ouais, en effet. Exactement. Je pense pas que ah oui, ça, non, ça. Mais je suis parce qu'il faut être impressionnée. Enfin, extrêmement courageux. On vient sur un plateau télévision parler d'un sujet extrêmement intime.
Oui. Quand on est pudique, c'est difficile et parler de choses qui réveillent. Donc c'est un acte voilà, énorme, en fait, vraiment. Et je pense qu'il est vraiment guidé par votre courage, Hubert. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose, vous avez dit, Maryse, mais tu ne me l'avais jamais dit. Il y a plein de choses, en fait, que vous ne vous êtes pas dites, Hubert. Oui. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de me dire qu'en fait, il y a un nombre de non-dits et d'incompréhensions entre vous, énorme. Parce qu'il la protège aussi, il l'a protégée de toutes ces horreurs qu'il a, lui, entendues. Quelque part, il n'avait pas envie de les partager avec sa sœur qu'il aime. Hubert, pourquoi vous avez accepté de venir, vous ? Bon, pour dédouaner la situation, déjà. Parce qu'elle vous manquerait un peu ? Un peu, oui, peut-être. C'est dur à dire, hein. Je suis d'accord, c'était une souffrance. Quand on s'est vu chez le notaire... Comme ça fait 25 ans que je n'ai aucune... qu'il n'y a aucune, comment dire, aucun, enfin, presque aucun contact. C'est passé dans une habitude et dans... C'est pas vrai, je pense pas, sinon vous seriez pas là. Bah si. Vous êtes un schtroumpf grognon avec un cœur en or. C'est joli. Et puis c'est surtout, il a un système de protection qu'il a mis en place depuis qu'il est enfant. Dès que ça fait mal, il s'écarte, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Ah ouais, j'ai jamais... Donc c'est sa manière à lui de fonctionner. Et puis quand on ne se parle pas, c'est facile d'interpréter mal choses. Hein. Par exemple, quand vous racontez ce qui s'est passé au moment de la mort de votre mère et comment vous désinvestissez la maison, vous la louez et tout de suite, très rapidement, on peut aussi le comprendre. Hein. Rejette votre mère. Quand quelqu'un meurt, il y a ce qu'il donne, ce qu'il transmet, et puis ce qu'on peut recevoir. Et parfois, ce qu'on reçoit, c'est insupportable parce qu'on a de mauvaises relations avec la personne. Et l'argent, c'est comme s'il brûlait les doigts, où on va vouloir absolument se défaire de ces possessions-là parce que c'est encore de la souffrance. Encore de la souffrance. Elle nous réclame, Maryse, elle nous dit, je veux juste qu'on déjeune, qu'on dîne, qu'on parle, qu'on parle. Il faut qu'on parle. Vous êtes prêts à ça ? Non, pourquoi pas ? C'est pas... Mais tu répondras quand je te téléphonerai, alors. Il est venu, hein ? Ouais, oui. Non, mais je suis... Il n'y a pas d'amour, hein. Il n'y a que des preuves d'amour. Et vous pouvez même rentrer ensemble en voiture après. Comme ça, on est obligés, enfermés dans la voiture, de se parler. Bah, évidemment. Bah, oui, moi aussi. Puis il y a quelque chose que vous avez touché, enfin que je trouve fort, c'est que vous avez tout de suite parlé de votre fille. Et je comprends, quand on s'attaque à soi, c'est une chose. Quand on s'attaque à ses enfants, c'est insupportable. Mais c'est que vos enfants, ils ne se connaissent pas du tout, non ? Non. C'est pour eux, en fait, qu'il faut tendre ses bras. Parce que quel cadeau, la famille ? Quel cadeau, les cousins, les cousines ? Surtout qu'ils ont le même âge, en plus. Oui. En fait, va falloir se tendre la main pour ça, parce qu'eux, ils méritent ça. C'est pour eux, c'est aussi pour eux que vous devez vous rapprocher. Moi, je vois beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup de non-dits, beaucoup d'incompréhension. Il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Parce que justement, maintenant, les parents, ils ne sont plus là, c'est que vous deux. Qu'il va falloir à un moment... Mais elle a tellement de choses pour m'éloigner d'elle. Donc, du coup, comme Maryse était toujours avec elle... Oui, bien sûr, elle a choisi son camp pour vous. Quoi. Voilà, ouais. Ouais, et c'est bizarre, parce que moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Il va falloir remettre les compteurs à zéro, parce que ça commence aujourd'hui. Maintenant, il va falloir faire un petit peu table rase, essayer de garder le meilleur pour vous tourner vers un avenir plus serein. Oui. En tout cas, si on voulait avoir la démonstration que les problèmes d'héritage ne sont pas nécessairement des problèmes d'argent, vous en avez la preuve absolue, puisqu'il y a zéro souci d'argent dans cet héritage. Et pour autant, en fait, c'est un catalyseur. Le décès et la succession, c'est un catalyseur des sentiments qui ont pu exister, dit ou non dit, dans une famille. Et c'est ça qui ressort au moment du décès. Finalement, avant le décès de maman, j'avais encore des liens avec Hubert, parce que quelquefois, je l'appelais en disant, voilà, il y a un problème à la maison, ou la maison de enfin, la maison que moi, j'ai maintenant. Et c'est vrai qu'après le décès de maman, après la succession signée, il n'y a plus rien qui nous attache si on ne le veut pas, quoi. Sauf que vous l'avez choisi tous les deux. Ouais. J'ai quand même un petit conseil à vous demander, Natacha, extrêmement concret. Je vous en prie. Tout à l'heure, j'entends que sur cette histoire de CP et apprendre à lire, Maryse dit « mais non, le soir, elle t'avait dit qu'elle devait faire les devoirs ». Est-ce que c'est utile, aujourd'hui, de revenir là-dessus ? Ou est-ce que, parce que je pense à leur futur repas. Oui. Voilà. Pour qu'on sache optimiser ces retrouvailles. Oui. Est-ce que c'est utile d'aller... réanalyser toutes les situations qui ont pu blesser l'un plus blesser l'autre, ou est-ce que quelque part on laisse les non-dits en se disant maintenant on décide chacun de réécrire une autre histoire et qu'on va réapprendre à se connaître indépendamment de nos parents. Bon, vous parlez à une psy, donc forcément je vais pas aimer les non-dits, moi. Ça c'est sûr. Après oui, moi je serais toujours en faveur de dire les choses, mais à condition qu'on puisse les dépasser.
C'est ça, au fond. De toute façon, il y a des choses que je lui dirais. Hein, voilà, c'est ça. Je ne peux pas dire maintenant. Non, non, mais vous allez aussi. Oui. Que je dirais. Bien sûr, ça c'est. Déposément, pas avec hargne. Non, 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 mais. Pour qu'elle comprenne, en fin de compte, le mal-être qui s'est créé, qui a engendré une séparation. Vous savez, les mots, ça soigne. Parler, ça soigne. Ouais, les mots, c'est pour ça qu'on est tous les jours à cette heure-là. Exactement. Les mots, ça soigne. Et donc, moi, je pense qu'il faut parler. C'est ça qui va permettre de dépasser les conflits après. Et en effet, comprendre les souffrances de l'autre et savoir un petit peu aussi lâcher prise. Tout à l'heure, vous avez entendu quelque chose qu'a dit Hubert et vous avez dit « Oh ben, je ne le savais pas !» Et donc, vous allez comprendre mieux votre frère. Voilà. Et c'est... Je suis persuadée qu'il va se passer quelque chose de doux entre vous. Vraiment. Merci, Faustine. Non, vraiment. Et vous vous ressemblez toujours, hein? On va écouter l'histoire de Clémence qui était très émue. On a perdu Amélie, elle est en larmes. Elle était en larmes, on l'a perdue, on la retrouve tout à l'heure. Clémence, vous êtes la Benjamine de notre plateau. Vous êtes toute jeune. Merci aussi de votre courage de venir parler dans cette émission. Vous avez quel âge? 21 ans. Alors vous, quand vous voyez évidemment les retrouvailles d'Hubert et Marie, ça doit vous toucher. Est-ce que vous, quand vous êtes assis sur ce plateau, vous pensez à quelqu'un en particulier qui a été éloigné? Vous pensez à qui, vous? Ma mère. Votre maman. Elle n'est pas là, je le dis. Non, parce que je ne veux pas nourrir des espoirs, mais en effet, elle n'est pas sur le plateau. Mais bon, vous allez me raconter des choses. Pourquoi votre maman? Vous êtes éloignée d'elle aujourd'hui? Oui, bah, depuis que mon papa est parti, en fait. Il est mort il y a combien de temps, votre papa? Ça va faire un an, là, fin juillet. Vous étiez très proche de lui? Ouais, je vivais toute seule, en fait, avec lui. Ah, mes parents se sont séparés, donc en 2017. Et j'ai pas voulu quitter le cocon, en fait. Je voulais rester avec mon papa. J'ai toujours une relation plus fusionnelle avec mon père qu'avec ma mère. D'accord. Et elle l'avait mal pris, votre maman, que vous ayez habité avec votre papa? C'est pas agréable, quoi. Ouais, elle l'a pas... Je sais pas trop comment elle l'a pris, mais je pense qu'elle l'a pas trop accepté, quoi. Et votre sœur aussi, elle est allée vivre chez votre papa? Alors... C'est votre papa? Vous êtes où, vous? À droite ou à gauche? Bah, toujours le carré, en fait. Ah d'accord, à gauche, alors. En rouge. Oui. Et votre père est décédé il y a très peu de temps, donc je sais que cette photo doit être très bouleversante. Vous voulez qu'on la retire? Non, non, non. Non, ça va? Ça reste quand même des belles images. Oui, c'est les images... ce fameux bon vieux temps qu'on aime tant et qu'on maudit aussi, ouais, un ouais, peu. Oui, hein. C'est ça, exactement. Donc, à la séparation de vos parents, vous avez fait le choix, vous, d'aller vivre chez votre papa avec lequel vous avez une relation très proche. Et votre sœur, elle a pris quoi comme décision? Alors, elle est partie avec ma maman parce que, à ce moment-là, ma mère avait des problèmes de santé et elle ne voulait pas la laisser toute seule non plus. D'accord. Et je ne voulais pas reconstruire un foyer, je ne voulais pas redémarrer à zéro, quoi. Je voulais rester vraiment dans cette maison. En fait, j'ai vécu toute ma vie, hein. J'ai jamais vécu ailleurs. Ah oui, donc c'est votre papa qui gardait la maison? Voilà, c'est ça. Oui, donc vous vouliez rester dans votre nid. Voilà, exactement. Je comprends. Oui, oui. Vous avez gardé des contacts avec votre maman à cette époque-là? Oui, 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 oui. Les relations étaient, disons... Apaisées? Oui, disons qu'on avait une relation normale. En fait. Normale, quotidienne. Ouais. Ouais, elles sont très vieilles, les photos. Alors, en quoi la mort de votre papa? Il est mort de quoi, votre papa, déjà? Alors, mon papa, donc, ça a commencé... Pardon. Soufflez, je vous en prie. Prenez votre temps, Clément. Il a été retrouvé inconscient chez nous, donc par un ami. Il a appelé les secours. Et mon papa faisait une hémorragie interne, en fait. Donc, il a fait une rupture de l'artère qui nourrissait le foie, je ne sais plus le nom exact. Et en fait, donc, il a été transporté à l'hôpital et moi, je suis rentrée chez moi peu de temps après, sans savoir ce qui se passait. Et j'ai appris par la suite, donc il m'a téléphoné pour me dire, ben voilà, je suis à l'hôpital, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Et moi, ben, je suis restée comme ça toute la nuit sans avoir de nouvelles. J'ai prévenu personne à part mes grands-parents parce qu'il fallait bien que quelqu'un soit au courant. Puis je voulais pas inquiéter ma sœur non plus, je voulais pas affoler tout le monde, je voulais être sûre de ce qui se passait. Et le lendemain, donc ma tante, donc la sœur de mon papa, m'a téléphoné. Donc j'étais en cours, elle me téléphone, elle me dit il faut que tu viennes à la maison et qu'on parte à l'hôpital. Donc j'en savais pas plus. Hein. Je suis arrivée chez elle et elle me dit bon écoute, il n'y a pas de bonnes nouvelles.
Mais il faut qu'on y aille, en fait. Il faut qu'on vienne avec le plus de famille possible. Et on veut pas se l'avouer, mais je m'attendais au pire. Hein. Et donc, on arrive toutes les deux à l'hôpital. On nous installe dans une petite pièce confortable. Et là, on se dit, pourquoi aussi confortable? C'est pour nous annoncer quoi. Donc, panique, hein. Je stressais, je pouvais même plus parler. J'étais perdue. Hein. Et donc, les médecins arrivent, ils nous expliquent donc, mon papa a fait une hémorragie, etc. Et que, il faut une greffe du foie en urgence, parce que les heures, elles sont comptées. Oui. Et là, on se dit, mais une greffe, il y en a, ils mettent des années à en trouver. Comment nous, en quelques heures, on va en trouver? Et là, le médecin me dit, le temps que vous fassiez le trajet, on a trouvé un donneur, votre papa va être greffé cette nuit. Mais vous regardez les médecins, mais c'est un film, c'est pas réel. C'est l'impression qu'on n'est pas dans la réalité. Donc on me propose d'aller voir mon papa, qui est dans le coma artificiel parce qu'il souffre beaucoup. Et qui, donc j'arrive, c'est une scène que je pense que j'oublierai jamais. Il est intubé d'absolument partout. Enfin, je m'imaginais pas le voir comme ça. Et les médecins me disent, peut-être qu'il va vous entendre, peut-être que vous allez réussir à communiquer avec lui. Donc je m'approche, je lui dis, c'est moi. Donc il ouvre les yeux, hein. Donc, il y avait ma tante avec moi, il ouvre les yeux. Et il se met à pleurer. Je lui dis, tu sais, donc, il pouvait pas parler. Hein. Je lui dis, tu sais, tu vas te faire greffer, t'es sauvé. Enfin, t'es greffé, demain matin, tu vas te réveiller. Enfin, tout va aller bien, ça va redevenir comme avant. Et donc, la greffe se fait toute la nuit. Que nuit, même pas une nuit, parce que je sais même pas fermer l'œil. Et tout s'est très, très bien passé. À l'hôpital, donc, il change de service. Tout évoluait bien, en fait. Hein. Et en fait, quand il s'est mis à pleurer, il m'a expliqué, quand il s'est mis à pleurer qu'il était dans le coma, il croyait que je lui disais au revoir, en fait. Il savait pas qu'il était sauvé. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, la vie ne tient qu'à un fil. Et là tout prend son sens. Hein. Donc la greffe a pu avoir lieu. Voilà. Donc tout évoluait bien. Et puis le 26 juillet, donc la veille de son décès, les médecins nous disent, votre papa, il a un germe dans le sang qui l'empêche de rentrer chez lui. Ça arrive souvent quand il y a des greffes. Donc il faut encore une semaine d'antibiotiques et tout rentrera dans l'ordre. Donc moi, je repars. Alors j'étais accompagnée de mon copain, ma petite sœur, on était tous les trois avec lui. Il était affaibli, mais voilà, il y a des jours où ça allait, des jours où ça allait pas, donc ça nous paraissait normal, quoi. Et il y a eu des suites extrêmement compliquées. Il est décédé combien de temps après la greffe? Il est décédé dans la nuit, en fait, qui a suivi. Ah, dans la nuit. Alors, quoi, 3 semaines après la greffe? Voilà, c'est ça, exactement, ouais, 3 semaines après la greffe. Est-ce que votre mère avait été très présente pendant ces 3 semaines, Clémence? Peu. Elle n'a pas... Mais même auprès de vous, au-delà de lui, hein, évidemment, mais auprès de vous, elle a été aimante, accompagnante? Vous étiez en train de vivre une épreuve terrible avec votre père? Alors en fait, non, c'est ma tante un peu qui a pris ce rôle-là, puisqu'on allait à l'hôpital toutes les deux, elle m'emmenait avec moi, etc. Enfin, elle m'emmenait avec elle. Et moi, j'allais en cours, j'allais au travail, j'étais à la maison, donc c'était un peu très compliqué, période... Ouais. Et donc du coup, cette fameuse nuit où à 4 heures du matin, téléphone sonne et au début je décroche pas parce que c'est numéro masqué, je me dis qui m'appelle à cette heure-ci? Ouais, c'est pas normal. Et mon copain me dit, tu vas voir, si ça rappelle, je vais répondre. Donc il répond et j'entends hôpital Trousseau, est-ce que je peux parler à Clémence? J'étais à milieu de m'imaginer ça, hein. Je m'attendais à ce qu'on me dise il faut venir parce qu'il y a un souci mais pas me dire que c'était la fin. Donc elle me dit, elle me le dit telle qu'elle, hein. J'ai tout fait pour sauver votre papa, mais il est décédé, quoi. Et là, je lâche mon téléphone et je sors tout ce que j'ai à l'intérieur. Bien sûr. Le monde, il s'effondre. Hein. Le temps, il s'arrête. Est-ce que votre maman s'est montrée présente dans les heures qui ont suivi? Alors moi, je me suis déplacée ensuite donc à l'hôpital.
Donc, il a fallu prévenir toute la famille. Donc, chose vraiment... Très difficile. Beaucoup trop. Parce que, surtout quand ma tante a été mise au courant et ma petite sœur, quand vous entendez hurler au téléphone, on s'y attendait pas. On nous dit que tout va aller bien. Et, ouais. Et du coup, donc, ma mère a été mise au courant. Elle s'est déplacée. Donc, elle a été câlin, etc., avec nous quand elle est arrivée. Et ensuite, on est monté voir notre papa. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire ? Alors, elle le touchait. Elle touchait son visage comme si c'était toujours son mari, en fait. C'est-à-dire, elle l'embrassait le... Alors, elle ne l'a pas embrassé au moment où on était là. Alors que lui, il avait refait sa vie, hein, votre ouais, ouais, ouais. Mon papa avait une compagne, etc. Et en fait, je ne sais pas comment ma sœur l'a ressenti, mais moi, je l'ai ressenti un peu comme être repoussée, en fait. J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'approcher de mon père. Elle était très, très présente. Elle ne vous a pas laissé. Elle voulait la première place, en tout cas. Oui, voilà. Elle était dans une intimité avec lui et vous, vous êtes sentie un peu exclue alors qu'elle était déjà séparée et que c'était votre père avant tout. C'est ça. Donc, elle vous a soutenu, sa compagne, à votre papa, vous, en revanche ? Non, alors elle a été... c'est une femme qui est d'une gentillesse incroyable et elle a été très, très discrète. Elle a été très... Elle vous a laissé prendre la place auprès de votre père, contrairement à votre mère, donc. C'est ça. Et votre mère, elle va commencer... À quel moment elle va commencer à avoir des mots, encore une fois, où vous allez dire elle n'est pas à sa place ? Quand on descend dans le hall de l'hôpital pour, voilà, pour se réunir... elle va commencer à parler de la maison. Ah, directement ? Ouais. C'est beaucoup trop vite. Hein. Et là, déjà, on n'a pas le temps de réaliser ce qui est en train de se passer. Oui, et puis vous êtes dans le chagrin absolu. Exact. Et en fait, elle parle de... Moi, je n'y avais pas du tout pensé. Enfin, c'était absolument pas le moment. Ça faisait quelques heures qu'il n'était plus là. Et... Oui, c'était pas du tout... C'est pas le moment du tout, quoi. Puis c'est pas le lieu. C'était vraiment pas le moment. Comment elle s'est comportée pendant les obsèques ? Elle a aussi voulu avoir la première place ? Ouais. Qu'elle en a fait des tonnes. Ouais, ouais. Je pense que c'était pour s'acheter une conscience. Même à l'église, ma tante me dit... Déjà, c'est ma tante qui nous a tenu les mains quand le cercueil a été mis devant l'église. C'est ma tante qui nous tenait les mains. C'est pas ma mère. Elle était... Anesthésiée, vous la trouviez, elle était, peut-être qu'elle était, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut expliquer le comportement d'une maman comme ça ? Mais je pense que la mort, vous le savez bien, ça cristallise aussi tout ce qui n'est pas résolu. Et alors, je ne connais pas du tout votre histoire, mais on peut supposer que ce n'était pas complètement résolu entre vos parents. Et à ce moment-là, elle oublie qu'elle est une maman, en fait. Oui. Elle n'est plus qu'une femme, et une femme qui visiblement meurtrit, enfin, je ne sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, elle oublie qu'elle est une maman, et elle le dit bien, elle veut récupérer cette place de femme, le montrer à tout le monde, y compris à la compagne de votre père, et elle prend la place, point, et le reste finalement n'existe plus. Ouais. Oui. Concrètement, l'héritage, puisqu'on parle aussi d'héritage, ça s'est passé sereinement. Vous avez hérité, le partage s'est passé comment entre la compagne, vous, les deux filles? Alors, la compagne de mon papa, elle était... Rien du tout, en fait. Ils vivaient chacun de leur côté. D'accord, ok. Donc, extrêmement respectueuse. Hein. Elle s'est pas intégrée à ces histoires-là. D'accord. Elle s'est vraiment mise de côté. De côté, ouais. Mais à sa place. Mais à sa place. Ouais. Et donc déjà pour donc les funérailles, enfin donc ensuite l'enterrement, ma mère s'est occupée de rien en fait. Donc c'est ma tante qui m'a aidée pour tout. Heureusement qu'elle était là, votre tante. Hein. Oui, absolument tout. Hein. J'en suis reconnaissante. J'espère qu'elle est la sœur de votre père. Comment ? Votre tante ? Oui, oui, oui. Et j'espère aussi qu'elle verra cette émission pour qu'elle voit à quel point je suis reconnaissante de ce qu'ils ont fait pour moi. Et donc elle va m'aider pour tout. Ma mère ne va pas du tout s'intégrer à tout ça, en fait, à tout ce qui est administratif, tout ça, parce qu'il faut que ça aille vite, en fait, hein, pour les funérailles. Et ensuite. Quand vient la succession. Alors déjà, en fait, quand on est parti de l'hôpital, elle est partie chez son copain, donc à plusieurs kilomètres d'ici, en fait, enfin de chez nous, et elle nous a laissés.
Mais laisser, on ne savait pas où aller. Hein. On était... Moi, déjà, j'avais l'impression que c'était complètement irréel. Mais ça allait trop vite. Vous aviez 20 ans. Hein. Vous avez habité où, vous, pendant toute... Eh bien, donc je pouvais plus vivre. Je voulais plus vivre dans la maison. Bien sûr. Où je vivais avec mon papa. Donc, j'ai vécu... Donc, quand j'allais en cours, j'allais chez ma tante et mon oncle, qui m'ont hébergée. Et quand je travaillais, j'étais chez mes beaux-parents et mon copain. Donc voilà, donc je vivais avec mes valises dans la voiture. Mais vous avez noué des belles relations avec votre belle famille, entre guillemets. Ah oui, mais... J'en suis reconnaissante, mais... Ils ont fait des choses énormes pour moi. Regardez derrière moi. Regardez-la. Coucou ma Clem. Eh bien écoute, un petit message pour te dire qu'on pense très fort à toi. Tu es passé par des moments compliqués, juste pour te dire que voilà, nous on est ta nouvelle famille, tu peux compter sur nous et on t'aime très 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 fort. Vous avez commencé, c'est Mélodie, petite amie, vous avez commencé, je vous ai posé la question à qui vous pensez en étant sur ce plateau. Et vous m'avez dit maman, enfin ma mère. Vous n'avez pas dit maman d'ailleurs, vous m'avez dit ma mère. Et depuis tout à l'heure, je vous sens encore quand même très en colère. Et en même temps, vous êtes là. Alors vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? C'est-à-dire que vous n'avez plus de relation avec votre maman? Alors c'est compliqué. Alors il y a des fois, elle va faire comme si de rien n'était, comme si il ne s'était rien passé. Et moi, je ne sais pas faire ça. Je n'arrive pas à faire comme si il ne s'était rien passé. Et donc, il y a des fois, c'est conflictuel, parce que il y a des choses... Elle a fait des choses, pour moi, qui est impardonnable, c'est de nous laisser, le jour du décès de mon papa, de nous laisser s'occuper de tout. Il y a même une période où vous savez même pas où je vivais, quoi. Et en même temps, elle vous manque? Ouais, parce que... Moi, je suis très cocon, j'aime la famille, j'aimais beaucoup ça. Même quand mes parents se sont séparés, je l'ai mal vécu parce que... C'était l'explosion de la cellule familiale. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, elle vous manque, mais vous lui en voulez vous êtes tiraillée aujourd'hui. Et vous avez envie qu'elle entende. J'ai l'impression qu'en étant ici, vous avez envie qu'elle entende vos griefs. Parce que vous lui avez jamais dit ce que vous nous avez dit là? Si, elle le sait, mais c'est compliqué de... Je crois qu'elle veut pas se l'avouer, en fait. Elle ne veut pas s'avouer ses erreurs et, tout ce qui s'est passé. Alors, on l'a contactée, votre maman. Et elle nous a envoyé une lettre pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous la lise? Oui. J'ai pris 100 fois un crayon qui me dictait des mots, le reposant chaque fois, le cœur à fleur de peau. Trop de larmes dans les yeux m'empêchant d'écrire les mots que 100 fois j'aurais voulu vous dire. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'avez écrite. Je ne serai jamais fière de n'avoir pas été à la hauteur de la mère que vous auriez méritée. Mais ce qui me donne du courage de me pardonner, c'est vous voir aujourd'hui si bien évoluer. Je vous vois grandir heureuse. Le regard plein d'amour, vous êtes toutes les deux si belles. Vous me rendez tellement fière que pour moi, il est clair que malgré mes regrets, je n'aurais pas mieux fait. La définition du mot « mère », je ne l'ai pas écrite. La vie nous prend parfois les êtres chers. Ce n'est pas notre faute. Le destin tragique s'est arrêté un mois de juillet 2019. Et ce jour, nos vies ont pris un autre sens, douleur, déchirement. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de discorde? Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car la plus belle chanson de ma vie, c'est vous deux qui l'avez écrite. Aujourd'hui, je veux reprendre cette joie de vivre que vous aviez. Je suis une maman qui vous aime avant tout. Je ne vivrai qu'une fois. Laissez-moi vous serrer dans mes bras avant que la vieillesse ne m'emporte. Et je remercie la vie en posant mon crayon. Mon âme posée sur le papier vous le dit sincèrement. Mes filles,
le plus beau cadeau que vous avez fait, le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux, mes deux enfants chéris. Je vous aime de tout mon cœur, maman. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était impardonnable. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'impardonnable dans la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'il n'y a rien d'impardonnable, je ne sais pas. Mais ça, peut-être que... Qu'il n'y a rien d'impardonnable, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, peut-être que oui. Je ne sais pas si vous avez envie de pardonner. Mais il y a certainement matière à parler autour de ça. Oui. Comment vous la recevez, cette lettre, Clémence? Elle fait un pas, là. Enfin, elle excusez-moi, j'ai répondu. Clémence a fait un pas. Oui. Et elle est belle, cette lettre. Très, elle est bien écrite. Mmh. Elle est belle. Ma mère est douée pour ça. Et non, c'est un peu l'objectif en fait que j'avais de venir là. C'est pas d'entendre ça, mais je m'attendais pas à ça. Hein. Je vais vous la donner, cette lettre. Hein. Je peux juste vous dire une chose. C'est pas du tout l'avocat qui parle, mais plutôt le vieux monsieur qui a quelques expériences. Vous savez, par rapport à un décès, on n'est pas tous équipés de la même manière pour le supporter. Il y a des gens qui ne sont pas capables de s'ouvrir aux autres au moment où la peine est immense. Peut-être qu'il y a une partie des réponses aux questions que vous vous posez sur le comportement de votre mère au moment du décès de votre père qui se trouve là. Il ne faut pas croire qu'on est tous des surhommes. Parfois, c'est difficile d'encaisser un décès et on a du mal à s'occuper des autres gens qu'on aime. C'est peut-être ça. J'ajouterais aussi à ce que dit Marc, il a totalement raison, mais j'ajouterais que parfois, la mort, ça ne libère pas ce qu'il y a de mieux en nous. Ça cristallise aussi beaucoup de sentiments négatifs parce que ça angoisse, parce qu'il y a aussi de la douleur. Et ce n'est pas forcément des sentiments positifs qui sortent à ce moment-là. Comment vous vous sentez, Clément? Ça fait du bien de parler, de dire qu'on a mal vécu les choses aussi. Ouais, ça fait du bien. Vous avez le droit de lui en vouloir à votre mère, vous avez le droit de l'engueuler aussi. Ouais. On a le droit d'engueuler sa mère. Ouais. Mais non, mais ça fait du bien de vider son sac. Elle tend la main. En fait, vous lui avez tendu la main en venant ici. Elle tend une main en envoyant cette lettre. Comme Hubert et Maryse, il se passe quelque chose. Ouais. En revanche, on a perdu Amélie. Ah ouais, c'est clair. Je suis au bout, là. Je suis au bout. Ouais. Pourquoi on est dans cet état-là? Parce que je me retrouve dans la première histoire qui m'a... Voilà. Mais faites venir personne. Hein. Alors, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est là. Il n'y a pas de petits mots. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a des choses à dire. Mais c'est vous qui allez les dire. Avec votre rythme et votre ton. Si elle y arrive. Il n'y a pas de surprise. Là. Et si j'y arrive. Ouais. Vous avez perdu votre papa. C'est ça. En 2018? Oui. Vous aviez quoi comme relation avec votre papa? Compliqué. J'ai pas eu une enfance normale avec un papa présent. Au contraire, il a été là avec parcimonie. Il a été là... Quand il était là, c'était pas vraiment... On n'a pas créé de lien, en fait. On n'a pas réussi, tout au long de notre vie, à créer vraiment un lien. Après, il y a eu des périodes où, dans ma vie, j'étais plus ou moins proche de lui, où on essayait, mais c'est compliqué de... Un père qui est absent, on l'idéalise. Et c'est compliqué, le jour où on est vraiment... où on essaie de créer une histoire... de se rendre compte que la personne qu'on a idéalisée pendant tant d'années n'est pas cette personne, en fait. Donc ça, c'est un premier deuil à faire. Du coup, mon papa est décédé le 30 mars 2018. Et c'est ma demi-sœur qui me l'a appris. Donc en fait, je ne voyais plus mon père depuis 6 ans, ma demi-sœur depuis 4 ans. Et là, j'ai eu un coup de fil et c'était trop tard. Ah. En fait, il était malade depuis un an et demi. Et personne ne vous avait pris. Et personne ne m'a rien dit. Et ça passe pas. Non. Non. Alors ça a été le premier... Ouais. J'ai toute la tendresse du monde pour votre histoire. Parce que ne pas pouvoir dire adieu ou au revoir à celui qu'on... Le truc, c'est que j'aurais pu le faire, mais je l'ai fait. Hein.
J'ai trouvé une autre manière de faire. J'ai écrit une lettre avec des photos de mes enfants que j'ai posées à côté de lui. Parce que, mine de rien, cette absence, quand il est... enfin, je ne l'ai pas vu pendant 6 ans. Et à son décès, j'étais là tous les jours. J'allais le voir tous les jours. Et je lui disais, bah, tu vois, tu étais absent, mais moi, je suis là. Et j'ai besoin de toi. Et j'avais besoin de toi. Et... personne... enfin... on a pris la décision à ma place. Votre sœur? Ouais. Vous lui en voulez? Et ma belle-mère, ouais. Ouais. Ouais, je leur en veux, c'est pas normal. Leur en voulez de ne pas vous avoir prévenu qu'il était malade? Bah oui, enfin... même si on avait des relations compliquées, conflictuelles, ou... même avec ma sœur, hein, ça n'a jamais été tout beau, tout rose. Hein, ça aurait dû être plus important. C'était pas à eux de prendre cette décision, c'était à moi. Ne leur appartenait pas, Natacha. Oui, oui, non, mais vous avez raison. Hein. Ils vous ont pris quelque chose, ouais. La possibilité de décider de revenir, effectivement. Exact. Et là, ça s'est arrêté. C'est très traumatique quand on n'a pas de bonne relation avec ses parents, quand le décès survient d'un coup. Alors, ouais. C'est... peut-être pas survenu d'un coup, mais pour vous, mais c'est pour survenu moi, d'un coup. Voilà. Et on est vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans le jamais plus et il n'y aura pas de réparation possible. Et ça, c'est vraiment extrêmement... vous auriez pu le décider, mais ça, ce n'est pas le cas. Et quand on le décide, c'est autre chose. On peut décider, bah non, la relation est tellement intolérable, j'y vais pas. Mais comment là... comment la succession a été organisée pour votre père? Moi ah. Alors, comment vous dire bah déjà, quand on est allé chez le notaire avec ma demi-sœur, ma belle-mère n'était pas là, puisqu'on s'est retrouvés devant le notaire de mon papa, qui était du coup celui de ma belle-mère. Donc madame n'a pas daigné venir parce qu'elle ne voulait plus nous voir. Enfin, sauf qu'à l'enterrement, c'était chez nous, on venait quand on voulait, tout ça. Et puis bizarrement, le jour, chez le notaire, elle ne voulait plus nous voir. Et puis là, bah, j'ai découvert qu'il y avait un testament et que je n'étais pas dessus. Vous n'étiez pas sur le testament? Non. Donc, alors, on a... certes, en France, on n'a pas le droit de déshériter un enfant. Mais j'ai ce qu'on appelle la part réservataire. C'est quoi, la part réservataire? Alors, en fonction du nombre d'enfants qu'on a, on a toujours autant de parts qu'on a d'enfants, plus une. On a 2 enfants, il y a 3 parts. 2 parts qui ont une part qui iront à chacun des enfants et une part dont je peux faire ce que je veux. Y compris, d'ailleurs, dire, bah, cette part-là, je la donne à l'un de mes enfants plutôt qu'à l'autre. Exact. Attendez, attendez, attendez. Je meurs. Oui. On n'espère pas. Voilà. Non plus. Mais je meurs, l'argent, j'ai 2 enfants, oui. Je peux dire, il y en a un, je peux faire 50-50, ou je peux diviser en 3 et en donner 2 parts à mon fils plutôt qu'à ma fille. Vous pourriez très bien, si vous voulez, vous avez toujours une part de votre héritage dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Voilà. Et cette part, on ne va pas faire compliquer. C'est la part cette réservateur. Réservataire. Non, c'est la quotité disponible, ouais, justement. C'est la différence. Réservataire, ça veut dire que c'est réservé à mes enfants. D'accord. Donc, vous avez eu cette part-là où il ne pouvait pas vous déshériter. Elle a eu un tiers au lieu d'avoir la moitié qui aurait pu être pas... si son père n'avait pas fait de testament, l'héritage était partagé en deux entre sa belle-sœur, entre sa, pardon, demi-sœur et elle. Si son père fait un testament, ça veut dire qu'il entend disposer de cette quotité disponible, ce tiers-là, et il peut le donner soit à l'une, soit à l'autre, soit à quelqu'un d'autre. Et il l'a donné à votre demi-sœur. Et ça, ça vous a... mais pourquoi vous étiez autant brouillée avec votre père, en fait? Parce que là, vous m'avez dit tout à l'heure, en fait, on ne sait jamais vraiment si c'est bien, mais il s'était passé quelque chose? Oui, alors... il y a 6 ans, j'étais enceinte de mon fils. Le papa de mon fils est converti et musulman? Islam. Ouais. D'accord. Et du coup, il ne mange pas de porc. Et lors d'un repas de famille, ma belle-mère n'a rien trouvé de mieux que de servir une salade avec du jambon dedans. Donc, c'est, pour moi, ça a été un grand manque de respect. Ce même repas, tout ce que je disais, on me riait au nez.
Donc, j'en ai eu marre d'être le vilain petit canard. Et, oui, ça a sonné le glas. Et c'est d'où les 6 ans de silence. Exact. Mais quand, donc, comment vous avez accueilli alors, ce testament? Vous avez compris que... Ah ben, moi, j'étais... Vous étiez lésée, en fait. J'étais... Ben, je suis quelqu'un d'hypersensible, hein, ça se voit. Ah bon? Je suis sortie, j'étais vidée. Ma demi-sœur me regarde en me disant « Mais Amélie, pourquoi tu pleures autant ?» Mais je lui dis « En fait, clairement, ce testament me prouve... » Valide. Oui, c'est ça. Me prouve que notre père ne m'aime pas et ne m'a jamais aimée. Et est-ce que sa sœur, sa demi-sœur peut refuser cette oui. part? Oui, tout mais à fait. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut elle renoncer. Ah, elle peut renoncer ou elle peut décider de le diviser avec sa sœur. Il faut bien comprendre une chose, que les choses soient bien claires. Les parents disposent, dans le cadre d'un testament, ils donnent des dernières volontés, mais les enfants sont libres de les accepter ou pas. C'est-à-dire que j'ai vu de nombreuses histoires dans lesquelles parfois, les parents avaient une espèce de volonté de maintenir une dissension entre les enfants, et les enfants ont fait bloc en disant c'est hors de question. Alors, pour avant, on va revenir sur ce que vous venez de dire, en disant j'ai eu la certitude que mon père ne m'aimait pas. Juste pour information, on a bien eu évidemment votre demi-sœur au téléphone pour préparer cette émission, parce que c'est important d'avoir tous les points de vue. Et elle n'a pas touché, elle non plus, l'héritage de votre père, puisque c'est votre belle-mère. Donc, actuellement, rien n'est fait. Ça fait 2 ans qu'il est décédé. On a un papier avec des chiffres gribouillés au stylo, rectifiés, etc. On n'a rien. On n'a rien parce qu'en fait, pour avoir quelque chose, mon père avait une maison où il habitait et une maison où il louait des appartements, où il loue encore. Enfin, c'est ma belle-mère qui en a l'usufruit parce qu'elle a l'usufruit de tout. Et du coup, il faut que tout le monde soit d'accord. Toutes les trois, on soit d'accord pour vendre un bien, là, celui où elle n'habite pas. Et en plus, c'est particulier parce que les gens veulent une vente longue. Bref, ça ne se fera pas de suite. Ceci dit, ma sœur a aussi eu des dons du vivant que moi, je n'ai pas eu. Vous avez été lésée pendant ces fameux 6 ans de silence. Juste une chose, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Amélie, qui est très fort. J'ai eu la validation que mon père ne m'aimait pas et ne m'avait jamais aimée à travers sa décision testamentaire. Ce sont les derniers mots. C'est ça qui est dramatique. Oui, c'est ça qui est terrible. Vous avez dit dès le début, c'est que c'est le point final. Bah vous ne pourrez jamais... Et ce sont les derniers mots. C'est ce nom-là, les dernières volontés. Et c'est ça qui est terrible. Alors que depuis un an et demi, il était malade et qu'ils auraient eu l'occasion de réparer. C'est un nœud effroyable pour vous. Enfin, c'est l'interprétation qu'Amélie fait du fait que son père ait donné la quotité disponible à sa demi-sœur. C'est ça. C'est peut-être pas contre elle, mais pour la demi-sœur. Alors, voilà, moi, je connais pas l'histoire de sa sœur. Je comprends qu'Amélie le vive comme ça. Mais je comprends qu'elle l'interprète comme ça. Voilà, je comprends qu'elle le vive comme ça. Et la difficulté, je comprends que vous en vouliez à votre demi-sœur et à votre belle-mère de vous avoir laissé sans possibilité de voir votre père pendant cette période de temps, parce qu'il aurait peut-être pu expliquer ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la vie d'obsèques, où il y a le prénom, le nom de famille et le prénom de mes neveux. Et où moi, il y a juste mon prénom. Oui, mais ça, ce n'est pas votre père. Donc, non, c'est ma belle-mère. Voilà. Donc, mon nom de famille n'apparaît pas et le prénom de mes enfants. Et ça, c'est horrible, encore une fois. Elle vous manque. Bien sûr que c'est horrible, mais c'est pas... Non, excusez-moi, j'allais juste dire que ce n'est pas une volonté forcément de votre père. Ça, c'est une volonté ça n'a rien à voir. De la belle-mère. Voilà. Et quand je n'ai pas rebondi tout de suite là-dessus... Quand vous dites « j'ai eu la preuve que mon père ne m'aimait pas », on a la preuve que votre père était en conflit avec vous et que ça n'allait pas. De là à dire qu'il ne vous aimait pas... Oui, il y a quand même un... Voilà. Est-ce que dans le testament, il a expliqué pourquoi il faisait ça? Non. Parce que moi, j'ai des soucis avec ma fille et j'ai écrit mon testament. Enfin, c'est le cinquième. C'est un peu tôt, Maryse, non? Non, mais le premier, je l'ai fait quand je suis partie en Évidence avec mon mari en moto. Parce que comme notre frère venait de mourir et que mon père héritait... puisqu'il n'a pas d'enfant, ça veut dire que si nous, on se tue en moto, il héritait à nouveau et Hubert, il se retrouvait en galère. Vous m'avez complètement perdu là, Maryse. Mais j'entends qu'il y avait 5 testaments. Oui. On va revenir sur cette idée du testament. Non, c'est le premier, ça. Mais je voudrais juste... Mais dans le testament, moi, la notaire m'a conseillé de dire pourquoi j'avais pris telle décision. Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner? Est-ce que pour un testament, qu'est-ce qu'on écrit dans un testament? Et je voudrais quand même qu'on parle d'amour aussi et de sa relation avec sa belle-sœur. On peut écrire absolument, si vous voulez. Ce qui est nécessaire dans un testament, c'est justement d'expliciter ses dernières volontés quant à son patrimoine.
Maintenant, rien ne vous empêche d'expliquer les raisons qui vous amènent à faire tel ou tel choix. Et on fait ce qu'on veut ? On fait ce qu'on veut dans la limite de la loi. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez dire « j'ai trois enfants et je donne tout à un de mes enfants ben, ». La loi traduira par « je donne la quotité disponible à cet enfant et d'accord, je ne peux pas déshériter les clair. Autres voilà. ». Votre demi-sœur, elle vous manque aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ben, comment ça, vous ne savez pas ? Je ne sais pas parce que on a été tellement fusionnels à certains moments de ma vie que aujourd'hui je suis en colère. Bah oui. Parce que je suis désolée, mais parce que quand on sort chez un notaire et qu'on vous dit Amélie, si t'as le moindre souci, le moindre besoin, le financier ou autre, tu m'appelles, avec mon mari, on trouvera des solutions. On s'arrangera, même si l'héritage n'est pas... A pas été fait. Mmh. On s'arrangera toujours. Et quand on le fait et qu'on se retrouve face... Bah oui. Qui vous soutient aujourd'hui dans votre famille ? Françoise. C'est qui, Françoise ? C'est la cousine de mon papa. Votre tante ? Ouais, enfin, oui, non. Tante. C'est la seule image de la famille paternelle que j'ai, en fait. Françoise, c'est elle ? Bonjour Amélie, toi et moi c'est une rencontre récente qui a commencé il y a 2 ans à l'enterrement de ton père, qui était mon cousin. J'ai découvert une jeune femme blessée qui n'était pas ressortie indemne de la séparation houleuse de ses parents. Tu m'as raconté des moments douloureux, entre autres ton séjour en foyer, et ça m'a vraiment touchée. Donc forcément tu m'as piégée et puis j'ai de l'affection pour toi. Si tu le veux maintenant, désormais on ne se quitte plus et nous allons rattraper toutes ces années perdues. Bisous ma belle. Comment ? Si elle va encore pleurer. Non, elle n'a plus de mouchoir. C'est ça, j'en ai plus. Pourquoi vous êtes venue Amélie aujourd'hui ? Alors je comprends et je trouve que votre situation est très très difficile, mais en fait vous espérez... C'est quelque chose ? Vous avez juste envie de parler ? Vous espérez que quelqu'un voit ? Non. C'est quoi l'idée ? Je le fais en premier, je le fais pour moi. Parce que de faire cette émission, de passer par cette expérience, c'est aussi essayer d'accepter ce qui nous arrive et d'avancer avec ça. Moi, j'ai toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça, par des épreuves. Mais je pense qu'à un moment donné, ben, il faut passer à autre chose. Vous avez raison, Amélie. Et je pense qu'il faut... C'est faire preuve de résilience. Et ça, c'est faire ça toute sa vie, en fait. Accepter ce qui nous arrive et en tirer. Vous avez déjà gagné ce combat. En tout cas, je suis très, très honorée de la confiance que vous nous faites. À quel point on peut compter. J'espère qu'on aura ce rôle dans votre vie. Je vois ce bagage, ces larmes, ce bagage de chagrin. On le garde sur le plateau et vous partez sans. Un tout petit peu plus légère. Ouais. Oui. Non, mais c'est sûr. Mais il fallait que je vienne parce que c'est... Mon père, ça n'a pas été un père idéal, oui, certes. Mais bah, je suis bien sa fille. Et je porte son nom. Et cet héritage, ben, c'est de l'argent que... Enfin, voilà, c'est pas une question d'argent pour moi. Ah non, c'est une question de filiation. Et ça, on me l'enlèvera pas. Enfin... C'est drôle, vous parliez de point final. Bon, finalement, non. Non. Vous voyez, on a repoussé le point final. Exactement. C'est-à-dire que le père, son père a dit quelque chose et elle a dit non, 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 non. C'est bien mon père. Je porte son nom et je vais le dire devant des millions de gens. Mais oui, on vous a privé de parole hein, quand même. Et là, vous la reprenez la parole et vous dites ce que vous avez à dire. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est important courageux. C'est pour une avancer. Vraie démarche de mieux, oui. d'aller mieux. Oui. On arrive à la fin de cette émission.
Mais il n'y a plus de larmes, donc c'est pas mal. J'ai été très émue d'écouter vos histoires. Je vous ai trouvé très courageux et je trouve qu'on a essentiellement parlé d'amour aujourd'hui au cœur d'une émission où normalement on parle d'argent, on a essentiellement parlé d'amour. Vous le kidnappez pour un bon repas, essayez de faire le fromage, le dessert, les mignardises, l'apéro, le café, tout, histoire qu'on se dise les choses de façon apaisée. Merci Hubert pour votre confiance, vraiment, on a été très touchés par votre geste. Ah oui, moi aussi, je suis... Faut le dire, ce qui va sans dire va encore mieux ah oui, non, mais en le disant. Mon amie là, qui m'a accompagnée me dit « Ton frère, il va être sur place. » Lui, j'ai dit « Mais n'importe quoi. » Je pensais que peut-être il aurait fait un petit message. Petit message, eh ben, mais encore que, peut-être pas. Mais je suis heureuse. Prenez soin de vous, Clémence. De toi ? Oui, avec coup. Prenez soin de vous, Clémence. Prenez soin de vous, Amélie. Merci. Vous tenez le bon bout. Oui. Moi, je retiens votre sourire au-delà des larmes. Parce que vous avez souri et pleuré en même temps pendant une heure, ce que je trouve assez exceptionnel. Merci Marc, merci Natacha, merci à tous d'être fidèles à France 2. Tout de suite, Daphné Burki, on se retrouve demain, même heure. On vous embrasse très fort.